À côté d'une charmante dame qui fait une œuvre au mur. Madame, présentez-vous. Voilà, je suis Laurence Mélinger, je suis plasticienne. J'anime cet atelier aujourd'hui de création d'une œuvre collective en ficelle sur la façade en bois des sheds. Donc nous avons une règle, c'est de faire un motif dans un cercle et de composer un motif avec des vis entre lesquelles nous tissons des ficelles de couleur pour représenter ce motif. Voilà. La ficelle a été récupérée à la corderie Meyer-Sans-Boeuf, que je remercie au passage. À Guebwiller. Et cet atelier dure encore une heure, donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est en direct, bien sûr. Madame, c'est exceptionnel ce soir, ou bien vous êtes bénévole au SHED ? Je ne suis pas bénévole au SHED, je suis artiste intervenante et je suis rémunérée à ce titre. Merci les SHEDs. On n'a pas bien entendu votre prénom tout à l'heure avec le bruit de l'orchestre. Je m'appelle Laurence Mélinger, je suis artiste plasticienne basée à Mulhouse. Et chaque fois qu'il y a des manifestations comme ça, de ce genre-là, vous venez? Voilà, j'invente des procédés, des dispositifs d'œuvres, de création d'œuvres collectives. Toute l'année, qu'est-ce que vous faites? Vous dessinez? Vous êtes dans un atelier d'art, vous dessinez? Toute l'année, je suis plasticienne, je suis à mon compte. Je participe à plusieurs projets collectifs avec du dessin, de la peinture murale, de l'édition, un carnet de reportage sur la fermeture de Fessenheim, Nuit de folie bientôt à Mulhouse, donc je créerai une œuvre éphémère dans laquelle on pourra dormir le 26 juillet à Mulhouse dans le zoo. Voilà, par exemple. Vous avez votre atelier au Motoko ? J'ai mon atelier à Motoko. Il y aura des portes ouvertes en septembre. Faites aussi des sculptures? La sculpture n'est pas trop mon domaine de prédilection, mais plutôt l'installation. Je travaille aussi un petit peu le son dans mes installations. Au départ, vous êtes prof de dessin d'art? Au départ, je suis plasticienne. Et je donne aussi des cours de dessin sur le vif. J'emmène les gens en voyage faire du carnet de voyage, du dessin sur le vif, du croquis rapide. Vous avez fait quelle école, madame? J'ai été formée en design industriel aux arts appliqués à Olivier de Serres pendant 5 ans. Et j'ai ensuite fait l'école des Beaux-Arts de Paris pendant 5 ans. Et vous arrivez à vivre votre métier? J'arrive maintenant à vivre de tous ces projets. Je me suis inventé plein de petites activités dans ce que j'appelle l'activité de plasticienne. Je suis polyvalente. J'aime travailler à partir du contexte. Et je mène un travail personnel sur la relation entre l'homme et son environnement. À commencer par le design d'objets, savoir comment on conçoit les objets, comment on les fabrique. Et puis ça s'est élargi au reste, à l'humain. Quel est votre projet futur? Quel est votre rêve? Mettons le budget de côté, mais quel est votre rêve dans le futur de faire une œuvre magistrale? Mon rêve, je le construis chaque jour. Pour l'instant, je pense que ces 15 dernières années, j'ai réussi à réaliser pas mal de rêves que j'avais il y a 20 ans. Donc les prochains rêves, ce serait de relier les arts plastiques et la musique dans mes pratiques. De continuer à profiter du moment présent. De faire de plus en plus de projets collectifs. Vous avez déjà fait une fresque murale? J'ai commencé par la peinture murale adolescente. Ouais. J'ai fait beaucoup de murs peints en Lorraine, en fait, où j'étais basée ado. Et le plus grand, c'était 260 mètres carrés.
260 mètres carrés, c'est un mur d'usine. C'était un mur de ferme. Ah bah dis donc. Ok, bah écoutez madame, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et beaucoup de succès. Merci beaucoup, merci à vous. Merci Jeanne qui a posé derrière nous. Tu as quel âge Jeanne? J'ai 11 ans. Et tu souhaites devenir artiste? Je sais pas. Tu ne sais pas, mais ça te plaît? Oui. Tu es bonne en dessin à l'école? On n'en a pas fait pour l'instant. Vous ne faites pas de dessin à l'école? Pas pour l'instant. Ah bon? C'est quand même bizarre, vous faites de la musique au moins? Non. Aucun atelier d'art artistique à l'école? On en a fait deux pendant l'année. Et en maths, tu es bonne? Oui. Mais tu préférais faire du dessin? Oui. Et aujourd'hui, tu es quoi? Tu es l'assistante de madame? On peut dire ça. Tu la connais depuis longtemps? Je sais pas, oui. Enfin, 3 ans, je pense. Tu suis ses cours? Des fois, oui. Mais je remarque quand même que l'art t'intéresse énormément. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans l'art? Cite-moi quelques peintres, même des peintres d'enfants que tu connais. Je sais pas. Est-ce que tu lis des BD? Oui. Alors là, tu es forte. Cite-moi quelques BD. Les carnets de cerises, Roger. Les Tintins, peut-être. Je les ai pas encore lus, les Tintins. Une autre BD? Ariol. Et qu'est-ce que tu aimes dans le dessin? La composition, la création, la mise en peinture? La création. Tu préfères créer? Donc quand tu as créé, tu le donnes à quelqu'un d'autre? Oui. Et tu peins aussi aux aquarelles? Non. À la plume? Non. Non. Au pinceau à l'huile? Acrylique? Acrylique, oui, plutôt. Sur papier ou sur panneau? Sur papier. Sur papier. Donc tu comptes en faire ton métier, peut-être? Je sais pas. Si tes parents sont d'accord? Oui. Et si tu fais pas artiste, qu'est-ce que tu vas faire? Médecin, avocate, architecte? Non, j'aimerais bien travailler dans les zoos. Dans les zoos? Oui. Ah, le zoo, les animaux? Oui. Ah oui, tu veux soigner les pandas? Oui. Oui, c'est un autre domaine. C'est artistique également, mais c'est un autre domaine. Oui. T'as visité le zoo de Mulhouse? Oui. Et alors, les fleurs, comment tu les trouves? Jolies. C'est un très beau jardin botanique. Hein. Oui. T'as vu l'ours? Oui. Comment il va, le petit ourson? Bah, il va bien, mais il a grandi et il va partir. Ah, il a dû avoir chaud l'autre jour. Hein. Ah, ouais. Écoute, mademoiselle, je te remercie pour ton interview.